C'est bon là, ça fonctionne, jeu de merde là. Putain. Y'a tout qui rampe sur ce jeu de merde, ça commence. Ça me casse les couilles déjà. Pas vrai mec. Allez là, c'est quoi ce PC de fils de pute que j'ai gros. Connexion excellente. C'est le cul de ta mère. Hein. Y'a rien qui marche, y'a rien qui marche sur ce PC, y'a rien qui marche. Ah mais j'ai pas, j'ai... Attends. C'est bon là? Yo les gars, ça va quoi? Attends, attends là, ça me casse les couilles là. J'ai téléchargé des shaders Nvidia, mon zizi là, j'ai rien compris gros. Le truc ça a tout fait, ça a fait exploser mon PC. Bon. Attendez, je balance. Pourquoi je regrette déjà? Je regrette déjà, pourquoi je suis en live alors que je suis complètement crevé, ma gueule. Est-ce que je pense à vous? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Live, voilà. Bon, c'est bon, on peut jouer ou merde là? T'es marre, mais regarde le chat, mais gros! Attends. Mais ça rame dans le menu principal, mais c'est pas possible, gros. Elle est comme à son menu principal, gros. Je suis sur le jeu, là. Je suis pas sur une fenêtre à côté. Sur Windows, y a rien, là. Vie de merde, je vais arrêter. Je sens que c'est mon dernier live sur ce jeu de fils de pute. Je suis vide, Vincent. Je suis vide. Ah, aujourd'hui, j'ai fait un truc, les gars. Et demain, oh là 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 là, les gros, je suis au max de ma life en ce moment. C'est la vie de ma mère. Bon, on va redonner une chance à ce jeu de connard là. T'as un mec dans les commentaires de mon dernier live, il a dit ouais, faut que tu supprimes les dossiers machin truc, les DLSS machin truc. Mais gros, mais je suis pas informaticien, mec. T'es malin, gros. Mais ça marche même pas dans le menu. C'est même pas fluide dans le menu. Ça rame dans le menu principal. En plus, je lance le jeu à tout à l'heure. Non, il y a 5 minutes. Ils me disent, ouais, ce serait bien que vous téléchargiez des shaders et Nvidia ma bite. Je les télécharge. Il fait redémarrer tout mon PC. Mon PC, il met 5 minutes à revenir de sa tête de bois là, de sa gueule de bois. Oula, oula, une page internet, oulala, oulala. Mais gros, j'appuie sur des boutons, ça arrive 4 secondes après, gros. Oh là là, je sens que ça va être terrible. Je sens que ça va être quelque chose. Le chargement se lance même pas. Y'a rien qui va, ma manette elle vibre. En fait, faut que je la mette dans l'anus pour que les 49€ ça les vaut, quoi. C'est ça? Bon bah vas-y, hein, c'est... Mon PC va exploser. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je fais là?
les papillons qui sont envoyés en fax, mec, c'est chaud, gros. T'es mal au jeu. T'es mal au jeu, mec. J'ose même pas toucher la manette. On est en 2001. Bon, j'espère que vous appréciez le stream, hein. Voilà. C'est pas une connexion... y a pas un problème de connexion, hein. Je suis en connexion excellente. Hein. Voilà. Ça vous plaît ou pas? Est-ce que... C'est bien, Lord of the Fallen? C'est comment? Ah là, je... Waouh! Le nouveau jeu next-gen, Je suis trop content, genre. Je suis heureux. Ça me rend heureux. J'ai pas les mots. Je suis choqué, gros. Je suis abasourdi. Bon bah on va comme le stream dernier, on va passer son temps dans les réglages. Bien sûr. Je fais tourner absolument tous les jeux de la planète en graphisme moyen ou faible avec 60 voire 100 FPS certains jeux qui sortent. Mais non, bah non. Non, celui-là, c'est pas possible. Se mettre en fenêtré, hein. Voilà, je suis en performance ultra. J'appuie sur des touches, ça... J'hallucine, gros. Mais allez, le jeu, mais... Non, là, ça m'a sorti une fenêtre, carrément. Oh là là là. Je vais relancer le jeu, c'est pas possible. Non, là, je joue en fenêtré, gros. Bon, je... Bon. Alt F4. Allez, nique ta mère. Voilà. J'ai quitté le jeu, je vais reprendre ma souris. Non, parce que là, c'est... La chance stage terminal cancer, c'est pas possible. Le FSR DLSS dans les paramètres vidéo. Je peux même pas aller dans les paramètres. Je suis en train de relancer le jeu. Mais là, c'est plus un patch qu'il faut, c'est une civière, gros. C'est une ambulance qu'il faut, mec. J'ai une carte vitale, placebo. Ah, bon. Il se lance ce jeu ou merde, là? J'attends. J'ai cliqué il y a une minute, déjà. Moi, je vous le dis, hein, si le jeu il est pas au minimum en 45 FPS, je joue pas au jeu, je finis le stream, je m'en bats les couilles, et je continuerai pas le jeu de mon côté, je m'en branle, voilà. Maintenant, je veux jouer que à des jeux qui sont très bons, voilà, pas perdre mon temps sur des jeux de merde, d'accord, je vais faire quelques sous-likes, même Lies of P, je voulais même pas trop le faire. Je l'ai fait et je suis agréablement surpris, ça va. Je jouerai pas à ce jeu parce que c'est un sous-like.
en 45 FPS, je sais pas quoi, 30 FPS, non, c'est mort. Et si je peux pas quitter cette cinématique? Je peux pas, on me peut pas. Il y a la cinématique du début là. Vous entendez en plus? Est-ce que... Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded. Je m'en fous, je l'ai déjà vu trois fois ta cinématique. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. Appuie sur eux. Mais quel génie, putain! Bon, là, ça va, là. Je suis en 10 FPS, les papillons, là. C'est plus en fax comme à tout à l'heure. Je sais, les gars. J'ai compris pourquoi ça buguait de malade mental. Alors, j'ai un mystère avec ce PC. C'est s'il est pas branché correctement à l'électricité, tous les jeux galèrent. Donc là, en fait, je viens d'appuyer sur un bouton, c'est bon, le PC, il est sous électricité. Donc, on va voir. Ça fait 12 minutes que j'ai lancé le live. J'ai pas joué encore. Ah voilà, là c'est mieux là. Ah là c'est un jeu vidéo là. Est-ce que je peux jouer en 1080p en 2023? Est-ce que c'est possible? Et on va pas trop lui en demander, on va mettre limite d'image à 60 secondes. Il faut que je mette le DLSS ou pas? Je suis en performance ultra. Nvidia Reflex, la latence, ok. Les graphismes, je suis full en faible. Full cinétique, non, 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 je ne veux rien. Je veux pouvoir jouer à ce jeu en fait. Continuez la partie. Est-ce que c'est possible de jouer à un jeu vidéo, genre? Après, il y en a qui me disent « Change ton PC !» Mais... Est-ce qu'il y a un seul gars? Vas-y, je vais rien dire, c'est bon. Ok, là, on joue un jeu vidéo. Ok, ok. Putain de merde. Ok, là, c'est mieux, là. Là, on a un truc, là. Hey, hier, c'était soit c'est à 60 FPS, soit c'est à 25. Ça a l'air stable, là. Ok, on va pouvoir jouer à ce jeu vidéo, enfin, quoi. Putain de merde. En plus, je suis crevé, là. Mais gros, je me suis levé à je sais pas quelle heure, là. J'ai fait que conduire. C'est toi, je t'ai niqué, toi. Bon, on va pouvoir lancer le jeu vidéo, les amis. Forgive me, lamp bearer. I'm Pieta of the Hallowed. So too, whether by contained within this, should you fuck bring them to me? The beacons must be cleansed. And Adir's fellow chosen. Améliorer le sang qui, je sais pas quoi. Non, c'est bien ça. Oui, je veux. Très bien, j'en ai 4. Génial. D'accord. Très bien. Donc on va pouvoir continuer ce jeu vidéo enfin, les gars. Ça m'a l'air vite fait stable. Hein. On a lui là, on va aller voir. Salut Mac. While the beacon should remain, I would have you perform another seek out and return as proof of the hallowed for only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus.
This land is owed to offer you. Also, say nothing of this to Pietà. They are already conflicted. Acheter, qu'est-ce qu'il me vend, lui? Plein de trucs. Alors, moi, j'avoue que, pendant le premier live, j'ai absolument rien compris au jeu, puisque je suis un trou de balle. Donc, on va commencer à lire des objets, etc. Une éruption de radiance qui blesse les ennemis droits devant. Ok, ça, c'est des objets. D'accord, vous savez quoi? De toute façon, moi, j'achète rien, j'améliore rien, tant que je suis pas bloqué. Brancher ton ordinateur sur secteur. C'est ce que je viens de faire et il était mal branché, en fait. Et ça m'arrive la même sur Baldur's Gate. C'est-à-dire que quand c'est pas branché, bah, ça galère de malade. Et ça, je comprends pas. So the Exactus found himself a new and given that lamp was intended and yet now he well it's I'm Stoneman, a group of good against a mad we made a vow to whatever the cost to ourselves. That heretical umbral lad as are you, it would seem. Qu'est-ce qu'il vend lui? Il vend plein de trucs, il vend un anneau. Vitalité, endurance, mais c'est vachement bien ça, dis donc. 10 000, une clé ouvrant certaines portes. C'est très bien ça, on va pouvoir aller dans d'autres nouvelles. Ok, c'est pas super cette armure, ça m'augmente. Oh, mais elle est trop forte mon armure, un délire. Mais elle est cheatée la classe du fou là. Ok, est-ce que je peux vendre. C'est où les âmes dans ce jeu? Alors, moi j'ai rien vu à ça, tout ça. D'accord, ça c'est quoi? Pendentif du paladin augmente les attributs de force et endurance. C'est vachement bien, mon gars. Est-ce que genre... petite quantité de mana. Ok. Ok, ça c'est... Ouais, c'est les objets de Dark Souls, hein, voilà. Hein. Voilà, les mêmes objets que Dark Souls, hein, ça. Bon, bref, hein, comme d'hab. Dénué de vitalité, ça donne quoi? Donne 20 points de vigueur. La vigueur, c'est... C'est bien ça, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Théorème de graphisme, chef. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Enfin, j'ai pas assez pour ça, dommage. On va aller buter des gens, écoute. Hein. Bon, c'est sûr une sale gueule le jeu, mais on va faire abstraction. Putain, il y a plein de gens ici. Salut les gars. You don't see the blade coming at you. We set ourselves a task. Best want you step. Mornstead is a land. Best want you step at Mornstead. Ok, mec, ça marche. Bon, Lord of the Fallen, hein? Hein? That lamp you've got. But then, ah, strange. I hope for both our sakes. If in doubt, much as he might think of. If in doubt, ça marche, ma gueule. Ok. Bon, bah c'est parti alors. C'est parti pour Lord of the Fallen pour de vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser des pièces chapardées pour acheter des objets au sanctuaire. Oh, intéressant, intéressant. Paragon châtier familier. Pas assez de pièces pour... Bon, on verra ça plus tard. Ouais, bon, on verra ce que ça donne ce jeu. Là, j'ai... Ouh là 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 là, ça commence, hein. Encore un mec là? Not a use like the one I saw that I've learned a little about that lamp and I hope you recognize the truth. What's of course, my name is Andreas of Ebb. Andreas, ça marche Andreas. Would defy that only to be betrayed. So you'll understand the man while an unfortunate. Give me the lamp. Hmm? No? It's sad. I hope you see. Est-ce qu'on peut taper PNJ? Non, bien dommage. My offer stands. After all, my offer stands. Ça marche mec. Ça m'emmène vachement profond, ça. Ça m'a l'air d'être la suite du niveau. Oui, on a déjà vu ça dans les trailers, tout là-bas, etc. Ça marche, on va aller là. Juste avant, je vais revisiter un petit truc. Ah bon, Franck, je savais pas. Achète la clé à 9000, oui, bah sûrement. Hein. Sûrement quand je peux. Là, je suis pas allé voir. C'est bien dommage hein, que le jeu soit... Que je suis obligé de jouer avec les paramètres les plus faibles de tout le jeu. Bon, c'est comme ça. Je suis pas allé voir là non plus. Ah, qu'est-ce qu'on a là?
Comment je fais ça? Non, non, non. Qu'est-ce que je fais? X. Oh. Bonsoir, madame. Monsieur, Molu, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de trucs, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Charme de... Hein? Pas compris. Main de lancer. J'ai rien dans la main de lancer. C'est bien dommage. Merde, ça c'est du mana, ça. C'est un cœur. Chelou, ça. L'œil d'un guerrier déchu. Ça a l'air très intéressant. Insérer l'œil. What? D'accord. C'est bon? Ok. Alors, ma lampe est améliorée? Améliorer la lampe. Il me faut un ciseau, machin chouette. Ok. Ok, ça marche, mec. Acheter, il y a ça, il y a plein de vendeurs et de trucs, machin. C'est pas mal, hein. Vous voulez vraiment acheter... Non. Je sais pas c'est quoi. Pour le moment, hein. Quand je sais pas, je touche pas. Ah, c'est bien dommage qu'ils soient pas optiques, il y a autant de problèmes. C'est bien dommage parce que un lancement, on n'en a qu'un. Hein, voilà. Très très difficile de se racheter après un lancement merdique. C'est la vie, c'est comme ça, c'est leur problème, j'en ai rien à foutre. Let's go. Et puis, si, je viens de les mettre à jour. Ah merde, je suis dans le monde à la con là. Et je peux pas revenir. Encore un PNJ quoi. If you're headed for Pilgrim, the hallowed sentinels crossed count all I wanted, but they deemed me. What's a poor creature? I gave away more, but if I know it doesn't look like my. It's a heart, but. M'a donné un bâton, fils de pute. It's a heart, but a tree. Ça marche, je t'ai enculé. Bon allez, mange pas que ça à foutre, hein. Hein? Allez, dis un boum. Allez, mange, t'es mort. Il y a des petits connards cachés là, c'est bon, on les a vus dans le trailer. Voilà, voilà. Voilà, voilà, les framerate qui part, voilà. Direct, voilà, il y a des ennemis. Et je suis en... Voilà, ça rame. Ça me casse les couilles déjà, frère. Merde, il va me lancer. Connerie. Oui, je peux parade parfaite, c'est vrai. Vas-y, fais voir, toi. Attends, il y a lui qui me lance des trucs, là. Tap, tap, tap. Bon, il veut pas taper. C'est moi, je vais te taper. Donc là, en fait, je peux pas améliorer plus mes performances, hein, puisque je suis au max du max de toutes mes performances, quoi. Ah, ça me jette des trucs, hein. Ça me jette de la merde, là. Ah, bien joué, tu es. Oh, joli le saut. Ah, le jeu est dégueulasse. Hein. Non, je le dis, il est dégueulasse ce jeu. Sacré nombre de PNJ, c'est vrai. Donc là, il n'y a plus le machin en haut. Comment je monte là-haut, moi, en fait? J'aime bien le mec qui court vite, moi. Ça me fait plaisir. Ça bombarde, ça bombarde. Voilà, tu peux direct aller vers l'ennemi que t'as envie de tuer, quoi. Ça, j'aime bien. Ça rame, mon ref, c'est chaud, hein. Et merde. Je suis bloqué. L'endurance. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Des terroristes. C'est lourd dingue un peu le gameplay. Bon, après j'ai un gros mec, hein, j'imagine. Salut, pourquoi l'arnaque? Parce que le jeu il tourne pas sur PC, il y a des problèmes de performance de dingue.
fils, on m'attaque là? Comment je fais ça déjà? Non! Ah si, je suis obligé de... Ouais, je suis obligé de changer de monde. Attends. Intéressant ça. Ah, c'est pour revenir dans le monde... Non? Oh, c'est un feu, pardon. Je peux avoir. Améliorer personnage. Oui, allez. Force. Endurance, hein. Endurance. Pas de backstab, ouais, c'est dommage, hein. À voir ce jeu. Des petits likes, les gars. Des petits likes, y'a moyen ou pas? Ah, moi, les trucs de plateforme, c'est trop. Putain, j'ai failli tomber en plus. Petit like, c'est gratuit pour le slap, allez. Pour me faire oublier les framerates, horrible. Ouais, PC, Xbox, y'a des graves problèmes, et tiens, encore un pêche. You know, not long now, I know they'd sit don't. There's self, but you won't find it in them. Oui, d'accord, faut que je change de monde, j'ai compris. Hop là. Oh là, mais on l'a vu dans le trailer, là, le boss en bas, là, le boss. Le gros mob. Bon, j'ai loupé plein de trucs, je sais, les trucs partout. Merci les likes, les gars. Merci les likes. J'ai un petit live pour vous alors que je suis crevé, les gars. Ah, c'est un boss carrément. Viens la connasse. J'ai pas ton temps. J'ai deux potions. D'accord. Pourquoi il y a un... D'accord, il faut que j'arrache son arme. Non, ça marche pas. Ok. Ok, move set, ok. J'ai une deuxième chance. En fait, ils ont tout pris à From Software. Donc, ils ont mis la deuxième vie de Sekiro. Ils ont mis la parade de Sekiro. La DA de Dark Souls. Oh, j'ai pas réussi, fils de pute. Et merde, et merde. Oh. Genre, j'ai pas paré correctement. Et ils ont pris la caméra des Dark Souls aussi. Et ça, ouais, ils l'ont pris, ils l'ont bien pris. Ça me donne pas trop envie, justement, pour le moment. Bon, on va continuer, hein, je vous l'ai dit, on va continuer. Le système d'érosion de Bloodborne, ils ont. Ouais. Pareil que Lies of P, hein. Il y a 7 PC, il y a un PC qui fait tourner le jeu de merde, et tous les 7 autres, c'est les jeux de From Software. Ouais, toujours copié mais jamais égalé, comme on dit, hein. Ok, super slap. Faut que je retire son âme de merde. Je vais faire ça. Monsieur.
Oh, je pue la merde, quoi. Mais attends, mais vu qu'on peut courir tout le temps, je peux pas tout le temps esquiver ce qu'elle fait là. D'accord, une tornade de chiasse. Et tu dégages, connasse. Yo yo les gars, il a l'air marrant son home. Il est vachement bien en plus. Ok, c'est fait. J'avoue, j'ai la tête de Pyramid Head dans Silent Hill. Il a claqué en sang, ce jeu. Arrêtez d'avoir un jugement. Tout court. Faut que je finisse ce jeu, mais pour l'instant, l'optimisation aux fraises, là, c'est chaud. Attends, c'est comment les coups de pied? C'est comme ça, ok, ça marche. Donc ça, c'est la suite de l'aventure. Y a plein de trucs que j'ai pas vu derrière. Ok, super. On m'attaque? Non, même pas. J'avoue, Blasphemous. Ouais, non, c'est carrément Blasphemous, mec. Alors j'aime bien retourner en arrière. Bah c'est là. Attends, il faudrait... on peut se téléporter entre feux, j'imagine. Mais j'ai tout vu ça dans les trailers là. C'était bien plus beau dans les trailers d'ailleurs. La clé du nid. Ok. Si je change de monde là. C'est quoi ça? Du monde direct. C'était quoi ça là? J'ai pas tout compris. Putain, du monde partout. Ah, le jeu est dégueulasse, c'est chaud, mec. Donc là, il y a ça en plus, là. Oula. Lui, c'est un costaud, lui. Ouais. Je suis bloqué. Chose quoi. Je suis mort. Allez, là, je suis mort, parce que j'étais dans le monde bizarre. Et j'ai perdu toutes mes âmes de boss. Et j'ai pas trouvé de feu. Je jure, ça me saoule de jouer à un jeu qui est moche et qui rame en plus. Parce qu'il serait moche, il serait en 100 FPS, y'a pas de problème. Non, il est moche et il rame, bro. Ça me donne même pas envie d'explorer et tout, ça, problème. Et j'ai tué ta copine, toi, elle était où là? On est des gars de là, là? Ok. T'es plus là, toi, hein? Ouais, bah bien sûr. Ouais.
Ouais, on veut le DLC d'Elden Ring, ça c'est clair, mec. Et tu te casses, toi. Je vous jure que... Putain, il faut aller récupérer l'arme qu'elle a, là. Oh, casse les couilles. Je jure que... Je vais faire une vidéo sur les trois sous-là qui sont sortis cette année. Je sais déjà qui a gagné. Et si vous avez vu mes lives et m'écoutez parler, vous savez le duquel je parle, très clairement. Ah putain, il l'a récupéré ce fils de pute. Oh là là, il fait mal. Viens là, toi. Je peux lui faire ça, là, encore. Bah alors, on est perdu, fils de pute. Oh, mais wesh, j'avoue, les esquives, elles sont... Elles puent la merde, en fait, tout simplement. Viens là. Ah, le bâtard, il fait semblant de partir, après, il arme sa tête, là. J'ai eu chaud. Redonne mes armes, toi. Il a aucun rapport sur PS5, ouais. Alors c'est bizarre parce que Xbox ils ont plein de problèmes, PC ils ont plein de problèmes, certains sur PS5 ils ont plein de problèmes, et certains sur PS5 ils trouvent ça c'est bon. Après ça, je pense que ça dépend des personnes. Arrêtez de vous insulter dans le chat. C'est hashtag safe place ici. Non, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez tous vous insulter. J'en m'en bats les couilles. Vous avez cru que c'était une safe place ici? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hashtag safe place. Hashtag venir comme vous êtes. Ma bite. PlayStation 0 problème. Il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes aussi hein, sur PlayStation. Donc là, il faut que je parte en mode... Non ? Si. D'accord. Oh, un petit malin ! Donc en fait, Lord of the Fallen, c'est une exclusivité. Ça tourne sur PS5, c'est tout. Oh, il y a des papillons, j'ai pas vu, putain. Je peux marcher? Non, je suis obligé de partir dans le monde là. Est-ce que je peux avoir un feu là ou un truc comme ça? Pan! Plus les losers, c'est la vie, il en faut. Hein. Faut des losers pour qu'il y ait des winners, hein, sinon. Oh non, pas toi, fils de pute, j'ai plus de soins en plus. Allez, salut. Oh, il y a un feu qui est là. Aïe. Je suis dans la merde en fait, j'ai 5000 trucs sur moi là. Salut. Il monte pas les échelles quand même, l'autre bâtard là. Non, il est trop con pour ça, c'est. Sale petit bâtard. Oh là là, à deux doigts. Oh putain, ça tourne. Ouais, salut les gars. Yé ! Non mais tape dans le bon sens, enculé. Ça pour récupérer. Sainte louange. Ah non, il y a une échelle. Remnant 2, oui. Affirmatif. C'est quoi ça? C'est où là? Oh là là. Descends en bas. Et ben...
Les papillons là? Ou c'est des moustiques de merde là? C'est bien des moustiques de merde. Où suis-je revenu à un endroit? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça explose? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas mal le level design de ce monde. Même si ça fait beaucoup penser à Blighttown dans Dark Souls 1. Et il y a un autre endroit dans Dark Souls 2. Blighttown qui s'appelle... C'est pas ça en anglais, c'est... Oh non, mais putain. Oh mais mais il est tombé, ce fils de pute, frère. Sérieux, là? Frère, j'étais loin du rebord, là. Il a glissé en avant, hein. Il s'est jeté en avant. Bon, bref. Dans une, il y a trois boss. Chut, chut, pas de spoil. Oh putain, qu'est-ce que je suis loin, mon gars. Ouais, je m'en bats les couilles. Plus infect, putain, mais ça donne envie, ça. Je sais pas ce qu'ils ont, les créateurs de Souls-là, qui a essayé de faire les pires mondes. Les plus frustrants. J'ai jamais compris, mec. Oh, y'a du monde là. Ouais, mais en gros, tu peux pas jouer sans la. Putain, les esquives, elles puent la merde. Ouais. Ça va pas où ton joystick il veut, quoi. Gameplay, c'est sacrément lent, hein, quand même. Je joue pas une épée non plus énormissime, hein. Attends. Faut prendre 10-6 partants dans ta gueule, hein. C'était quoi ça, là? C'était quoi ce dash de malade, là? C'est ce qui m'a fait ce bâtard, là, quand je suis tombé, là, presque. Non, attends, Régus. Franchement, attends. C'est quoi? Il m'a donné... What? Les mouvements, ils sont chelous, gros. Je suis pas fan, hein, pour le moment. Putain, mais il fait des dashs de malade vers l'avant, mec. C'est horrible. Donc, en fait, j'attaque et je me mets en danger moi-même. C'est vachement rigolo de faire ça, hein. Vachement rigolo. J'espère que le dev qui a eu cette idée, il se suicide, voilà. Ça, c'est clair. Là, j'ai perdu 5000 âmes. C'est quoi cette manie de faire des jeux, des plateformes de merde? Il y a la même sur Lies of P. Heureusement, ça dure 5 minutes, quoi, parce que... C'est bon, je speedrun, je tape plus personne, mec. T'as plus personne, ça sert à rien. Il va me refaire la même si je cours. Je tape plus personne, voilà. Le perso il court super vite, c'est pour une raison. Voilà. Je mets des kicks. Tiens, mange ton kick, toi. J'ai cru que j'allais mourir. Hein? Quoi? Ah, d'accord. Pourquoi taper les gens en fait? Y'en a trop, y'a trop de monstres! Gros, juste sur cette plateforme, y'a 6 monstres!
Regarde, ils sont 14, gros. Regarde, ils... J'espère que c'est le même dev et qu'il aura raté son suicide et que à son deuxième essai, il va encore se rater, ce fils de pute. Tout ça pour aller récupérer de la merde, je suis sûr. Une fleur de machin. S'il y a un troisième mec, j'arrête, je rage quitte. Frère, il te suit ? Mais c'est pas possible. Ils sont combien, gros ? Ils sont combien, mec ? Appuie sur cette merde. 47, ils sont 47, ces gros enculés de leur mort. Ça fait ça là? Allez, salut les nulos! Tout ça pour? Il est là ce con! Eh bah oui! Bon, j'ai un feu au moins. Oh là là. Ah non, mais là, c'est même pas un feu. D'accord, c'est pour revenir dans le monde normal. Voilà, j'ai gagné une... Voilà, je suis bloqué. Je rigole, j'abuse. Le mec fait exprès de se bloquer, ça. Mais là, je vais dans un autre monde, là, non? La clé du repos astral. Non, je veux pas écouter tes souvenirs de merde. Là, je m'en bats les couilles. Je le dis, je m'en bats les couilles. C'est bon, ça. Faut que j'aille. D'accord, non, je suis juste trisomique en fait. Bon, vas-y, je vais de l'appui sur ton souvenir de merde. Là, c'est bon, voilà. Attends, j'ai failli tomber en plus. Divine Adair, witness this offering I make to you. Pour un objet spécial. Faut du feu, c'est ça? Ou c'est l'autre côté, parce que je suis un abruti. Ou c'est là-bas plutôt, ouais. Pour avoir des armes de boss, ouais. D'accord, je suis pas au bon endroit. C'est pas maintenant qu'il faut être là. D'accord, d'accord, c'est bon. J'ai compris, Lord of the Fallen, ce que t'essaies de me dire, là. Ouais, moi je connais un raccourci qui est pas mal. Oh, regarde, tes mains, hop là. Non, je t'apprendrai pour. J'ai 0 âme, c'est bon.
Oui, bah merci, enfin, plus tard. Ça, j'aime bien, on se soigne vite et on court vite. Là, ça, j'aime bien ça. Par contre, les esquives, mon dieu. Surtout quand tu loques des mecs, c'est le pire. Ok. Bon. De toute façon, moi, ce genre de level, je suis trop fort. Je spire tout. Mais là, y'a pas un feu là ou c'est moi qui déconne? C'est une entrée de zone, y'a un feu, non? J'ai tellement rien écouté au début, je suis déjà perdu. Oh, bah, bravo, Slap! Spire tout là. Super seul, spire tout. Hop là, je connais par cœur. Par là, hop là. Hop là, je vais par là. Je monte sur cette échelle. Voilà, je vous montre comment speedrun le jeu. Hop, là, tu vas là. Hop, monte ici. Tu vas prendre un petit coup si t'as pas de chance. Voilà, j'ai un petit peu de chance, donc je prends pas de coup. Hein, voilà. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. Hop, tu récupères cet objet, c'est assez important. Voilà, c'est une petite grappe de... C'est de la merde, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Hop, tu sautes ici. Tu tournes un peu autour parce que tu sais pas trop où aller, mais en fait... juste, t'attends qu'il tire, voilà... Voilà, 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 tu te manges en pleine gueule. C'est très important, on se mange en pleine gueule parce que après ça donne un buff et. Tout se passe parfaitement bien. Hein, ça fait partie du. Ça fait partie du speedrun. Il faut faire descendre sa vie au maximum. Hein, hop là, tu sautes ici. Hop là, hop là. Hop là, tu rates ton saut. Hop là. Ah je oui, mais oui, non, mais parce que je connais tellement bien les mécaniques de ce jeu que... J'ai oublié qu'il y avait une deuxième vie, bien sûr, il y a une deuxième vie. Voilà. Hop là, tu passes ici. Tu montes sur l'échelle, là. Hop là. Là, on va avancer tout droit. Là, lui, c'est Spartan Kick dans sa mère. Voilà. Faut bouffer son truc aussi, là, ce qu'il vient de faire. Là, il y a un brasier, là, ça a l'air intéressant, mais nique sa mère. D'accord, je suis obligé d'esquiver ce gros fils de pute pour monter à l'échelle. Donc là, hop, là, là, il faut monter dans le monde de fils de pute, là. Là, tu pries. 1, 2, 3, soleil, tu sautes. Il faut surtout failler rater son saut, hein, c'est important. Ça, c'est, faut le regarder, voilà. Hop, tu montes ici. Hop là, voilà, j'ai parfaitement calibré avec la colonne. Hop là, le petit saut, hop là, tu montes. Hop là, tu vas là. Hop là, voilà, tu viens de faire le raccourci, voilà, parfaitement, parfaitement. Hop, à gauche. Hop, tu sautes. Hop, tu rentres dans... Tu esquives le suffisant. Tu rentres là-dedans et tu viens parler à lui et tu... Et s'il te plaît, aide-moi. Voilà. Au secours. Faut crier au secours, hein, surtout. Oh, oh. Ennemi proche, oh, fils de pute. Oh. Bon, on avance, on n'a pas besoin, de toute façon, on fait tout, on one-shot. Donc voilà, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là, si je meurs je recommence tout le machin. Hop là, tu sautes, hop là. Hop là. Et merde. Oh putain. Hop là, tu le tues lui là parce qu'il va me saouler sinon. Hop là, hop là, alors lui tu vas un peu à gauche et paf à droite. C'est pour vous montrer les erreurs de débutant qu'il faut pas faire. Ce jeu me saoule, j'ai pas envie d'y jouer.
Il y a l'air d'avoir des bonnes mécaniques, hein, mais je viens de finir Lies of P. Prenez des notes, hein, surtout pour le speedrun, hein, voilà. Alors, regardez bien ma tête, hein, ça se voit, il y a la joie, là, il y a l'envie de jouer. Il y a l'envie de découvrir ce monde exceptionnel avec toutes ces nouvelles mécaniques incroyables que Lord of the Fallen propose. Voilà, ce jeu dépasse les entendements, voilà, dépasse ses pairs, hein, qui sont bien entendu From Software. C'est sûrement, très certainement le jeu de l'année. Voilà, le jeu de l'année, le jeu de la décennie. Voilà, le jeu de la décennie. Lord of the Fallen, bien entendu, arrive à effacer son erreur de 2014 avec ce jeu éclaté qui est Lord of the Fallen. Oui, parce que ça a le même nom, enfin. Voilà, Lord of the Fallen qui nous propose une DA presque identique à celle de Dark Souls 3. Mais bon, ceci n'est qu'un détail. Voilà. Avec un bestiaire des plus gourmands, voilà, des plus peaufinés qu'est-ce que je raconte, putain, et des plus bien entendu des plus voilà. Eh bien, en vrai, parlons franchement. Ça a l'air pas mal, ce jeu. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à y prendre goût, à prendre le temps, tu vois, d'explorer. Mais j'adore, hein, moi, tout ce qui est Souls-like, explorer et tout. Chaque détail, chaque mètre, mais... Mais en fait, j'en ai un peu marre de ces Souls-like qui essayent de... Mais qui essayent de copier From Software en essayant de faire mieux. Je suis sûr, il y a plein de nouvelles mécaniques qui ont l'air sympas. C'est pas mal, c'est pas fou, hein, mais c'est pas mal le truc des deux mondes. Il y a plein de PNJ, là, je suis sûr, ils ont plein de secrets, etc. J'ai un peu de mal avec le gameplay. C'est... le gameplay... c'est moins bon que Lies of P. C'est moins bon que Bloodborne, c'est moins bon que Dark Souls et Elden Ring, hein, très clairement. C'est un peu lourd et bizarre. Surtout les esquives. Il y a plein de secrets très chiants et très nuls à faire. Ouais, c'est chiant et c'est nul en plus. Putain. Mais je suis sûr qu'il a plein de choses bien, ce jeu, mais... Je viens de finir Lies of P, qui est un très très bon essai d'un Souls-like. Et là, je sens que Lord of the Fallen et Lies of P, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire que les deux, ils essaient de copier. Ils le font bien. Mais bon. Ils proposent des choses à droite, à gauche. Mais bon. Voilà, comme je l'ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo. Dès que le DLC d'Elden Ring il arrive, tout ça, ça dégage. Ça dégage, mec. Même si Elden Ring et Dark Souls maintenant, voilà, il n'y a pas vraiment de parade parfaite dans Elden Ring et tout.
Il y a pas maintenant, pas vraiment de mécanique, voilà, les deux mondes. Il y a pas, on casse les armes en deux comme Lies of P et tout, mais c'est un tout qui nique tout, en fait. Et je vous avoue que en ce moment, c'est mon dernier mois au Japon. Mais avant de parler de ça, ouais, les performances du jeu. J'ai l'impression de jouer à Dark Souls 2, en fait, là. Graphisme, c'est chaud, mec. Et encore. Et en même temps, c'est mon dernier mois au Japon, et j'aimerais être productif. Et pas forcément être productif niveau gaming, hein, parce que ça, quand je vais rentrer en France, je vais avoir le temps. Hein. Donc, je vous le dis, hein. Ça me donne un peu envie, Lord of the Fallen, là, ça se voit, il y a plein de trucs à découvrir et tout, c'est cool, mais... C'est vraiment, c'est... Voilà, c'est... Je vais y aller, là, un petit peu, mais... Je suis sûr, c'est bien, hein. Je suis sûr, c'est bien, il y a plein de trucs bien. Il se paraît, il y a 30 boss et tout. Mais pourquoi pas, ouais. Il y a pas longtemps, j'en ai eu un peu marre de jouer à tous les jeux qui sortent et que, ça me donne envie. Super. Et maintenant, ça me casse les couilles d'acheter tous les sous-like parce qu'il y a une petite hype dessus à chaque fois et que faut que j'y joue pour que je donne mon avis. Je m'en bats les couilles, hein, très clairement. Je m'en bats les couilles parce que From Software est indétrônable, c'est tout. Tu peux me rajouter toutes les mécaniques de fils de pute comme ça, là. On s'en branle, From Software baisse tout le monde, c'est tout. À chaque fois, tout le temps, gros. Ah, tu peux mettre tes trucs de deux mondes et tout, on s'en bat les couilles, frère. Tu peux mettre 50 milliards d'ennemis, là, comme il y a partout, là. On s'en branle, parce que From Software, ça encule tout le monde. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, mon gars? Lies of P, Remnant, Lord of the Fallen, même combat, Elden Ring. Il arrive avec un seul DLC à 15 balles, à 20 balles. Il va enculer, enterrer tout le monde. Qu'est-ce que je me fais chier à... Et quoi, je dois faire tous les sous-like et vous faire des tutos à la con, là. Comment débloquer si on s'en bat les couilles, frère. Voilà, tu peux mettre tous ces ennemis chiants sur des putains de plateformes de fils de chouin, là. Avec des jeux mal optimisés, mais de merde, frère. Je te jure, j'ai une Nvidia 2070. Je fais tourner absolument n'importe quel jeu, mec, en minimum 60 FPS. Pourquoi ce jeu il galère, il est dégueulasse comme ça, il joue en ultra méga performance pour faire jouer à ce jeu, il est tout flou, mec. Je joue à un jeu, c'est une floutesse, gros. Pourquoi je devrais accepter ça et perdre mon temps là-dessus alors que j'ai donné déjà fucking 49€ là pour ce jeu de merde là. Oula, super, il a une barre bleue, faut que j'enlève sa merde là. Ouais, super, je m'en bats les couilles. Fais-moi tomber là, je t'en supplie, fais-moi tomber. Faites-moi mourir là. Regarde, y'a combien d'ennemis, gros. À quoi ça sert, gros? Gros, il me faut un AK-47 pour que je tue tous ces fils de pute là. Allez, c'est bon, allez, nique ta mère. Voilà, je l'ai dit, sûrement il a plein de trucs à. Bien Lord of the Fallen, mais c'est bon, j'en ai marre, il y a plein de jeux super qui sortent tout le temps, tous les mois, il y a plein de jeux super. Pourquoi je devrais accepter ce jeu moche, là, et ils nous l'ont vendu, ces fils de pute en marketing. Le nouveau Souls-like Next Generation, ferme ta gueule. Putain, arrêtez de mentir, là, pour faire des ventes, là. J'espère que votre studio est crève, là. Déjà, votre jeu de merde en 2014, là. Et votre jeu de merde en 2014, ils sortent un trailer de CGI et tout le monde se branle comme ça, là. Vous êtes cons, quoi. En 2014, ils ont sorti un navet, gros, mais il pue la merde, le premier Lord of the Fallen.
Je suis sûr qu'il est un petit peu meilleur celui-là, mais je m'en bats les couilles, c'est bon, je m'en bats les couilles. Il y a une semaine, j'ai repris un petit peu Baldur's Gate 3 là, mais pourquoi je perdrais mon temps là-dessus? Alors que j'ai Baldur's Gate 3, qui est un jeu peaufiné de A à Z, avec des milliers de dialogues, avec des milliers de choix de quêtes, etc. Des milliers d'objets. D'un univers qui est carré, j'ai pas eu un seul bug dans Baldur's Gate 3. Le jeu, il tourne nickel. Il me fait découvrir un nouveau genre que je croyais que j'aimais pas. Et en fait, je kiffe, mec, le tour par tour. Pourquoi je perdrais mon temps sur ce jeu? Elle va niquer ta mère, Lord of Sovereign, je m'en bats les couilles, c'est bon. Voilà, c'est, tout le temps, c'est Souls-like à copier les... Voilà, on copie les mêmes objets, on copie les... On copie tout, gros. C'est pour ça que je préfère Remnant 2. Parce que Remnant 2, c'est un Souls-like qui va dans sa propre direction. Il dit, ah ouais, ah c'est sympa, Dark Souls. Et tiens, si je faisais un truc à ma propre sauce, et je regarde pas Dark Souls, je fais mon truc à moi. Là, j'appuie sur Start, je suis sur Dark Souls 2. C'est Dark Souls 2, là. Et même délire, même truc, pareil. Le même scaling, CEA, agilité, machin truc. La même chose tout le temps. Que des suceurs de From Software, mec. Que des suceurs de From Software. Ces faux sous-like de merde. Mais allez faire enculer, là. C'est pas parce que je suis fan de From Software que je dois sucer tous les sous-like, là. Fils de pute de jeu, là. Les mêmes trucs, les mêmes objets. Oui, je suis sûr. Dans le hub, là, j'ai vu des trucs, vite fait. Hein. Ça avait l'air sympa, hein. Augmenter, je sais pas quoi, et tout. Et sa lanterne, là. C'est bon, j'ai rien à foutre. Ouais, il y a 30 boss, ouais, il y a 150 armes. Ouais, super, je m'en bats les couilles. Et sûrement 10 armes qui sont complètement OP, et puis voilà. Comme Elden Ring, tu vois. Mais pourquoi je perds mon temps avec ce jeu de merde là? C'est bon. Rien à foutre, mec. Rien à foutre. Je continuerai pas le jeu, je me dis. Rien à foutre. Ah, c'est pas mal ça. Menu principal, il y a ton armure avec ton mec là. Sympa. Bon. J'espère que ça vous a défoulé, que je m'énerve un petit peu sur ces putains de sous-lacs là. C'est bon, j'en ai marre. Il y a 6 mois, j'en ai eu marre de tous les jeux de... Ah, dès qu'il y a un jeu que j'aime bien, je l'achète et tout, ça m'a saoulé. Je me dis, allez, je me concentre que sur les sous-likes parce que j'aime ce genre. Eh ben, ça me casse les couilles aussi. Je joue que au Masterclass. C'est-à-dire que je joue à Baldur's Gate 3 et je le finis, c'est tout. Et j'attends le décès d'Elden Ring. Pourquoi je me casserais les couilles à jouer à tous les jeux? C'est bon. Non. J'ai autre chose à foutre. En plus, au Japon, j'ai des trucs merveilleux à faire. Je me casserai les couilles à jouer à ce jeu qui rame là. Bon, je vais prendre 5 minutes à vous lire parce que j'avoue, j'ai fait un stream de 1 heure, je vous ai absolument pas lu, les gars. Je vous avoue, désolé. Allez, donnez-moi vos avis, etc. Dites-moi que je suis un enculé, ça me fera plaisir. Je vais vous lire un petit peu. Mais c'est ça Max. C'est exactement ça Max. Et les gamers ils changeront jamais, hein. Ils achèteront tous les jeux, machin, ils vont acheter tous les skins. Et le jeu vidéo va crever petit à petit, hein. Bellec, hein. Voilà, dans 20 ans on joue que à des jeux mobiles. Imagine God, bah non, tu vois, j'arrête. Indigestion des sous-lacs. Oui, j'en ai marre. Mais bon, c'était la même merde tout le temps, la même chose. Ah, jouer dextérité, ah, jouer force, eh, c'est bon, ta gueule. Franchement, ta gueule, on en a marre là. Ça fait 5 ans qu'on se tape des sous-lacs. Agilité ou dextérité? Force, pardon. Ça va là? On peut un petit peu réfléchir dans sa tête à un moment? Joue à Mortal Shell, oui. J'ai joué en plus à Mortal Shell. Il y a longtemps. J'ai même fait des vidéos sur Mortal Shell. Des let's play. Qui ont fait 300 vues. À l'époque où j'avais 300 abonnés. Et je suis arrivé devant le boss final et j'ai jamais fait la dernière vidéo. Mais c'est vrai que c'est pas ouf à Mortal Shell. Il y a une ambiance. Mais c'est pas ouf.
Le jeu a l'air cool, mais pas ambitieux. Si, il est plutôt ambitieux, Lord of the Fallen. Ils essayent de... Ils ont vraiment essayé de... Ça se voit, ils ont essayé. Bon, je peux finir le jeu. J'ai vu, hein, des gros boss, etc. Bon. J'aime beaucoup la violence de ses propos. Bah, je t'appelle la Ragnar Lodbrok, mon gars. Et voilà, Mugiwara a joué à Sekiro en attendant le retour d'Elden Ring, mais Sekiro n'est même... Mais personne, aucun jeu n'arrive au gameplay de Sekiro. Aucun. Rien. Il n'y a rien qui arrive au niveau de concentration que tu dois donner dans Sekiro et de maîtrise du gameplay que dans les derniers boss de Sekiro. On va faire un mon FS dans un monde angélique. Ou les deux, tu vois. Et il part en enfer, il va en, au paradis, un petit peu. Il doit battre Gabriel, l'ange. Je sais pas. Il me paraît trop pourri. Non, il est pas pourri. Je suis sûr qu'il est pas pourri. C'est moi, j'ai une overdose, un petit peu. Non, je suis sûr qu'il est pas pourri. Si vous êtes... C'est comme j'ai dit sur Lies of P. Si vous êtes en manque de Souls et que vous voulez un truc qui ressemble à Dark Souls, bah, jouez à Lord of the Fallen et Lies of P. Je suis sûr que ça va vous plaire. Moi, je suis vénère contre le jeu. Hein, mais moi, je suis un vénère. Je suis un passionné, je suis un extrémiste. Pas un extrémiste religieux. Mais quand je joue à un jeu, je joue à fond, je me donne à fond. Et pareil, bon, mes activités. Bon, t'arrêtes ? Ouais, j'arrête. Et je continuerai pas ce jeu, ça me casse les couilles, ça. Ouais, enfin, mais fallait que... Fallait que je fasse mon propre avis, voilà, j'ai acheté le jeu, j'ai fait une erreur, je rappelle. Enfin. Si, j'ai bien fait d'acheter le jeu pour voir que ça me saoule. Voilà, bon, voilà. Non, ça va, le wokisme n'a pas encore envahi énormément le jeu vidéo, Beludina, mais. À Horizon 2, ça va, elle est lesbienne, c'est pas la fin du monde, hein. Et le DLC d'Elden Ring sera pas déçu. Je suis sûr que je serai. Alors là. Franchement, si je suis déçu de DLC d'Elden Ring, putain, j'ai le seum. Un jeu fait par une IA tellement c'est fade. C'est un peu fade les combats. Hein. J'avoue, les combats, j'ai un peu de mal. Hein. Je sens pas. L'impact. Dans Lies of P, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un détail. Hein. Mais il y a de l'impact. Il y a de l'impact, mec. Ping, ping, pop, pop. Bon, je suis pas obligé de faire les bruitages, mais... Lies of P, il y a de l'impact, mec. Putain, les messages vont vite. Last of Us 2 Remastered... Alors moi, j'ai une théorie. C'est que rester à son prime dans n'importe quel... Realms... Bref, rester à son prime, n'importe où, dans n'importe quel sujet, c'est très compliqué. Et je sens que Naughty Dog est sur la pente descendante. Last of Us 2, c'était le pic. Et là, ils te font des remasters à tous les coups, là, pour essayer de financer leur jeu multijoueur qui... Ils arrivent même pas à le sortir parce que eux-mêmes, ils y jouent, ça pue la merde, tu vois. Je sens que Naughty Dog... attention, hein. Je viens d'arriver, j'ai acheté le jeu hier. J'ai pris une douche froide un peu, on dirait Mortal Shell. Ouais, bah oui, bah j'ai pris une douche froide aussi, hein. PS5, tu vois, vous avez vu, il y a des gens sur PS5 aussi, ils trouvent que ça pue sa mère. Meilleur gameplay corps à corps, Sekiro, on est bien d'accord. Mais il est facile, non, c'est pas parce que c'est dur. Hein. J'ai une overdose un peu des Souls-like. Oui, on m'a poussé 2-3 fois, je m'en bats les couilles. Ça arrive dans tous les Souls. Mais faudrait que je, tu vois, pour jouer à ce jeu, il faudrait que je prenne mon temps, etc. J'en ai marre, j'ai autre chose à foutre. Je veux me concentrer sur des masterclass. Et quand je dis des masterclass, je veux pas dire des jeux bien. Non, je au-dessus d'un jeu bien. Au-dessus. Et pour l'instant, j'en ai un. Et je joue de mon côté quelques heures par-ci, par-là. Parle de ces trois. Je bande, mec. Ouais, à des knives, ouais. Lies of P. Bon, après, il faudrait qu'il y ait l'avis d'un mec qui ait fini les deux jeux, là, tu vois. Après, il est trop tôt, c'est trop tôt.
Sekiro, j'ai pleuré du sang. Ouais, mais maintenant, t'es beaucoup plus fort et tu peux battre le jeu bien plus facilement. C'est de l'apprentissage. Merci, Tommy Métivier. Parce que je suis payé par personne, mon gars. Aucun n'arrive à la... au chara-design de Bloodborne. Ah, c'est sûr. Putain, les messages qui arrivent, j'essaie de tous vous lire, les mecs. Un sous-leak de trop, j'aurais dû arrêter les offies. Non, mais après... C'est pas de la merde, le jeu. J'en suis sûr, c'est pas de la merde. Je suis sûr que c'est pas de la merde, Lord of the Fallen, les gars. C'est moi, là, en ce moment, j'ai un petit peu... J'en ai un petit peu marre. Et, en même temps, le coup de marteau qui a enfoncé le clou, c'est l'optimisation horrible, mec, horrible. Pourquoi je fais tourner n'importe quel jeu vidéo qui sort à 60... FPS, ou si je mets les graphismes au plus bas, je suis à 100, 120 FPS carrément. Et pourquoi celui-là, en combat, ça tombe à 30? Alors que je suis en ultra performance, c'est même pas mode performance, c'est ultra performance. Le jeu est hyper fou. Je comprends pas. Donc ça m'a saoulé encore plus. Ouais, bah j'imagine avec ta 3070 Ti mobile, je sais pas quoi, mais cette merde, ça coûte 500, 600 balles. Enfin, je sais pas, j'ai un prix comme ça, mais... Pourquoi pas mon sorteur? J'aimerais bien, mais... J'arrive à un moment où... C'est plus trop le... Je promets que je testerai le prochain Monster Hunter. Parce que je trouve que j'ai peut-être loupé un truc avec Monster Hunter World, ça avait l'air sympa quand même. Oui, Dextor, je vais sûrement... S'il y a des patchs et tout, vraiment, ils se mettent à travailler et que ça fonctionne bien et que le jeu, je peux le faire tourner en 80 FPS, s'il vous plaît. Oui, je reviendrai sûrement sur Lord of the Fallen si j'ai un trou, très clairement. Soulé ou Rashkit, un peu des deux. Rashkit, non, parce que Rashkit, c'est vraiment... Oh, c'est dur, ça me casse les couilles, mais ça m'arrive pas. Si je veux, je le finis, ton jeu de merde, là. Mais j'ai pas envie, j'ai pas l'envie. Avant Elden Ring, oui, mais il y en a trop qui sont sortis aussi, des sous-like à des knives. C'est à chier, c'est lamentable. Non, t'abuses. Non, il est beau le jeu, il est beau et le gameplay est sympa. C'est vrai que le reste à côté. Dit que le jeu est fait par une IA, il y a trop raison, c'est vraiment l'impression que ça donne. C'est beau de loin, mais c'est fade. Ouais, je sais pas, je suis pas allé assez loin dans le jeu pour vraiment vous donner un avis. La peur de GTA 6, non, je pense pas, mais... C'est les investisseurs sûrement. Voilà, t'as des mecs qui mettent des centaines de milliers de dollars, ils veulent leur jeu sorti en fucking octobre. Et c'est tout. Des musiques épiques quand même. Eh ben, je les écouterai sur YouTube, les musiques. Que penses-tu de Dragon Dogma et le 2? Non, Dragon Dogma 2, non? Ouais, Dragon Dogma 2. Je peux pas juger. Je suis pas un mec qui juge. Je pourrais regarder en détail la vidéo de gameplay, essayer de voir des trucs, mais... Il faut le jeu en main. Comment voulez-vous juger un truc... Après, si t'as une vidéo de gameplay de 20 minutes non-stop, où ça s'arrête pas avec tout le HUD, etc., oui, tu peux un petit peu, mais... On peut pas te super chat? On peut pas me super chat. Ah, c'est parce que j'ai enlevé la monétisation? Attends. Et là, tu peux me super chat? Je viens d'activer la motivation, j'avais même pas vu que... Bon, j'espère que ça vous fout pas des pubs, les gars. J'ai pas envie de vous foutre des pubs en plein live, en fait, c'est ça le truc. Pour ça, j'ai enlevé. Doom Eternal, BGE, Ultime. Doom Eternal, j'ai les deux DLC et j'ai jamais fait. Il faudrait que je les fasse. Tu feras Cyberpunk Slap sûrement de mon côté, les gars. Sûrement de mon côté, justement. Pourquoi tu fais pas les DLC de Cyberpunk? Tiens, voilà. De mon côté, je pense. Peut-être en live, ça dépend. Ça dépend. On verra. Putain, il y a plein de messages qui arrivent, les gars! J'ai du mal à rattraper. J'essaie de rattraper le bout du chat, mais j'arrive pas. Une 2070 fait tourner Red Dead en ultra à 1080p. Voilà. Voilà.
Pourquoi ce jeu de merde il marche pas? Méritait le GOTY. Doom Eternal, franchement, il était contre qui? Peut-être l'Unreal Engine qui est gourmand. Oui, bah ça c'est leur faute. C'est leur faute. Nous on s'en bat les couilles en fait. Nous en tant que joueurs, on n'est pas là dans les petits dossiers des développeurs. Si vous. Le jeu, tu l'achètes, le produit doit être fini, tu vois. Peut-être t'achètes pas un vase et. Oui, bah on a utilisé la terre, je m'en bats les couilles. Il faut que ce soit fonctionnel, je veux pas qu'il y ait des trous dans mon vase, quoi. Moi j'aime bien vraiment le jeu, mais sur PS5 j'ai des pertes de FPS qui sont assez régulières. C'est horrible mec, c'est horrible. Sur un jeu console, tu vois, sur une console, t'achètes une console pour que ce soit agréable. Hein, que ce soit facile, tu lances ton jeu, tranquille, t'es posé dans ton canapé, tu joues, tu vois. Pas qu'il y ait des putains de pertes de FPS sur une PS5, mec. Sorti il y a 2 ans, quoi. J'ai une 3090 Ti, le jeu tourne bien. Tu m'étonnes. Et encore, tu tournes en 60-70 FPS, hein. Ah, Baldur's Gate 3, c'est GOTY, les gars. Pourquoi tu fais pas le DLC de Cyberpunk? C'est 3 fois que tu me le dis, ça. Zizi. Ah, flemme, j'ai autre chose à foutre. Ce serait une masterclass Lord of the Fallen, bien sûr, j'y jouerai. Ah, le champagne, c'est bon, il est redescendu. Ah, j'arrive presque à rattraper. Si je veux finir ton jeu de merde. J'ai la flemme. Eh, je vous jure, je... S'il tournerait bien le jeu, mec, putain. Ça me bloque, mec. Toujours pas de super chat. Ah, vas-y, prochaine fois, Bruce. Merci en tout cas d'y penser, c'est ça. Mais en vrai, je fais pas ces lives pour l'argent, etc. Tu sais très bien. Ça, parce que je suis un fan de jeux vidéo. Mais j'essaie un peu de calmer ma fanitude, parce que ça me bouffe des fois un petit peu. Tu vas faire Alan Wake 2. Je crois que c'est super prometteur. Peut-être que je vous laisse balancer un let's play, ouais. Si je veux, je suis président, moi aussi. Fait Doom Eternal, ouais, c'est vrai, mais est-ce que mon PC. J'ai peur que ça va tellement vite à droite à gauche qu'on n'y voit rien en fait. Ton avis sur Cyberpunk? Eh ben, j'avoue que j'aimerais bien avoir mon avis aussi parce que j'ai commencé Cyberpunk sur Xbox One et j'ai même pas fini le jeu parce qu'en fait j'ai trop glitché. J'ai trop fait tout n'importe quoi que le jeu en combat est tourné à 20 FPS. Il tournait comme Lord of the Fallen. Donc j'ai arrêté et j'ai même pas fini le jeu. Donc j'aimerais bien recommencer sur PC et j'ai vu que ça... j'ai relancé vite fait 1 heure et ça tourne beaucoup mieux et tout, c'est nickel. Ça tournait en 70 FPS, c'était parfait. Qu'il est à moitié mangé, que tout le. Les visous sur mon Insta. Ceux qui veulent voir Grégory Jean avec sa 3090, vous tapez ça sur Insta. Et d'abord, communiquer sur un futur mage. Non, ils font pas les aveugles, ils font les trucs. Tu feras Silent Hill 2, je ferai Silent Hill 2 sur à 100%. Et avec mon frère, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir. PS4, il a 15€. Hein, de quoi? Sûrement un truc qu'on a dit en haut. Attends, un patch pour mieux profiter, ouais. En fait, il aurait dû mettre le pouvoir de lanterne sur Elden Ring 2, monde et tout, c'est génial, ouais. Fais confiance à elle. Fais confiance à From Software. Pour nous sortir dans 3-4 ans la suite d'Elden Ring et ce sera Masterclass comme d'hab. Ça le fait sur PS5. J'ai pas la PS5 ici au Japon, les gars. Dans un mois, je retourne en France et j'aurai la PS5. Mais je rachète pas 50 balles Lord of the Fallen, non. Merci Mehdi, merci à toi. Des fois, je descends à 70. Mes frères, t'as un PC à 2000 balles, à 2500 balles et tu tournes à 70 FPS. C'est une honte. C'est une honte ce jeu, mec. Fais Dark Souls sans mourir, ça c'est un de mes petits fantasmes. J'aimerais vraiment finir Dark Souls 1 sans mourir. J'ai déjà fait la moitié du jeu, c'est-à-dire arriver à Orlando. Reste en live, non je vais y aller les gars, je suis fatigué, j'ai du boulot demain, enfin boulot. Je me fais pépon le dard, c'est ça mon boulot demain. Je rigole même pas en plus. J'ai pas encore fait Cyberpunk, ça vaut le coup ou pas, mais alors totalement mec, totalement. Cyberpunk c'est... L'univers de Cyberpunk, c'est peut-être l'un des univers préférés. C'est trop stylé, Cyberpunk, mec. En tout cas, merci d'avoir été présent. Alors, bon, désolé un petit peu de pas avoir continué Lord of the Fallen et de ne pas le continuer prochainement. Mais c'est bon, ça me casse les couilles.
Ça me casse les couilles, tous ces mecs qui... Bah, vous m'avez entendu, là. Vous m'avez entendu quand j'ai pété un câble. J'en ai marre des copies de From Software. C'est bon. C'est comme si ton ex, elle t'avait quitté et t'essaies de trouver une meuf qui lui ressemble à chaque fois, qui lui ressemble un petit peu à chaque fois. Vas-y, tu fais pitié, mec, c'est tout. Wesh Miroli, ça arrive à la fin. T'es mal, gros boulot. Ah oui, boulot, pardon, j'ai pas capté. Ouais. En plus, elle a acheté des sextoys pour que je l'utilise sur elle. Elle est complètement folle. Elle a acheté un truc, mec, ça tourne comme ça, là. J'ai pas compris. Ouais, je vais bien m'amuser demain. Il faut que je prenne des forces, tu comprends. Faut que je mange bien et tout, là. J'ai du boulot. T'as joué Assassin's Creed Mirage? Non, ça m'intéresse plus, Assassin's Creed. Et pour tout te dire, j'ai fait les tutos Assassin's Creed Valhalla juste pour les vues et les thunes. Voilà. Le jeu, quand je le lançais, ça me cassait les couilles. Hein, voilà. On attend le test de Mirage. Non, je joue pas à des jeux qui sont moyens. Oui, peut-être il y a un retour aux sources, mais c'est peut-être bien ou moyen. Et je m'en bats les couilles. Voilà. Lord of the Fallen, ça a l'air bien. Et ben, ça me suffit même pas bien. Hein? Allez, salut. Merci les gars. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Je m'excuse encore de pas... je m'excuse pas en fait. Voilà, ça me casse les couilles. J'arrête, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Je continue le live, hein, vous inquiétez pas. J'aime bien liver sur YouTube. Peut-être sur un jeu complètement au hasard, au pif. Voilà, on verra ce qu'on fait. Et je vous dis à la prochaine. Passez un très bon week-end. Et... prenez le soleil un petit peu. Pourquoi je dis ça? Et ce serait bien que je vous fasse. Je reprenne les podcasts un petit peu. Hein. Ciao les mecs. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de like. Hein. J'ai beaucoup qu'oublie les likes, les gars. Et je vous dis. On veut un autre live champagne. C'était marrant. Hein. J'étais pompette là. Mais non. L'alcool, c'est que pour les gros événements. Comme la dernière fois. Et je vous dis. À la prochaine, salut. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait énormément plaisir. Ah oui, j'ai baisé une mythe de 50 ans aujourd'hui. Allez, salut. Non, c'est vrai en plus, hein.